suis puni parce que je fais que des conneries. Quand la maîtresse, elle parle, et ben moi, je fais le ventriloque. Alors elle me met dehors. Déjà que quand je suis dedans, j'écoute rien, c'est pas en me mettant dehors que je vais mieux écouter. J'aime pas l'école parce qu'il faut mettre son nom dans le col de la chemise. Moi, j'ai rien mis du tout. Comme ça, à l'école, maintenant, ils m'appellent pur coton. J'aime pas l'école et puis j'aime pas la maîtresse. Personne veut rester avec elle. Même ses lunettes, elle est obligée de les attacher avec une chaîne pour pas qu'elle s'en aille. Avec elle, on a le droit de rien dire et de rien faire. On est juste bon qu'à travailler toute la journée comme des bœufs. Il est où mon syndicat? En plus, elle veut pas que je mâche du chewing-gum. Ben moi, quand je serai grand, je serai américain. Comme ça, j'en mangerai toute la journée du chewing-gum. C'est super, l'Amérique. Là-bas, pour dire gâteau, ils disent cake. Pour dire bonbon, ils disent sweet. Ils sont forts, les Américains. Ils ont un mot différent pour chaque chose. En plus, là-bas, en Amérique, il y a des hamburgers. Et puis, il y a aussi du rock'n'roll. Des fois, la maîtresse, elle nous chante des chansons, mais c'est pas du rock'n'roll. Hein. Quand elle chante des chansons, la maîtresse, ça me fait peur. Elle a pas de musicien, elle a pas de micro, c'est nul. Puis aussi, des fois, elle nous raconte des contes de fées. Alors ça me fait une de ces peurs. J'aime pas les fées parce que avant d'être des fées, c'était des citrouilles. Et moi, j'aime pas la citrouille. Ce que je préfère à l'école, c'est la récré. À la récré, c'est moi le chef de la bande des redresseurs de tort. C'est moi que je fais au rôle le plus fort, le plus costaud. J'arrive bien à faire le bruit de son cheval. J'arrive bien, hein? Puis ce que j'aime bien aussi, c'est jouer avec les allumettes. Mais la maîtresse, elle veut pas parce qu'elle dit qu'avec une allumette, je peux mettre le feu à l'école. Et moi, je dis que c'est pas possible. Mon père, avec 2 litres d'essence et 3 tonnes de papier, il met 2 heures pour allumer le barbecue. Je vois pas comment avec une petite allumette je peux mettre le feu à l'école. Oh. Passons, comme elle dit la maîtresse, dans la vie il faut se fixer des buts. Eh ben mon but à moi, c'est faire sauter l'école.